Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon, toujours sur l'île Cramoisille. Magnifique île, n'est-ce pas? Oh non, on dit un peu. Où une arène nous attend, mais avant on doit ouvrir je sais pas quoi là, des trucs. Activer des statuettes normalement. Pour rejoindre ensuite Mathis. Ah mais tu es à l'arène de Bourg-Palette alors, ça y est, au tout début? Non, de Jadeville. Jadiel, pas Jadeville. Oui, oui, Bourg-Palette, Jadiel. Ah mais il y a Bello là, on fait un combat Bello. Ah, c'est là. Ah, salut. Tu veux voir un combat? Ah mais vous êtes tous au même endroit? Non, ah, non. On est là. Non, non, moi, moi j'ai toujours que 6 badges. Hein. Mais moi, c'est parce que je viens là pour farmer, c'est tout. D'accord, mais moi aussi j'ai que 6 badges, hein. En vrai, on a le même nombre de badges. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, j'ai un badge de plus. Ouais. Ah, mais non, c'est vrai que ton truc il est cancer là. Tu peux one-shot même mon Dracolos. Non, il a un truc qui peut te one-shot. Mais oui, en fait, Absol il se concentre et au bout d'un moment il Ouais, mais ça. Sauf que ton Dracolos il va le one-shot avant. Enfin, il va le tomber avant. Oh oui, s'il évite l'attaque comme ça. Bon, allez. À la recherche d'ouverture. Mais je vais pas avoir le temps d'en placer assez des lance-lames. Est-ce qu'il va nous affronter lui? T'es quoi toi? Mais, ouais, mais il est pas très fort. Mais... Allez. Faut pas que tu me confuses. Un reptincel. Par pillard. Ah, il y a des pillards. One shot? One shot. Tortang, adios. On fait tellement mal là, je pense qu'on va. Ouais, mais avec un dans slam, je le one-shot pas ton Rathalos. Surtout qu'il a son talent. Ouais. Ça passe en plus dans la couche. Ça y est, t'as l'air. Bah ouais, mais là je pense que Mathis, tu nous bats tous là à l'heure actuelle. Hein. Voilà, maintenant je. Ah, là, mais cette fois j'ai une team le moins bon et t'as 42. Bon, ça à la limite. Je pense, je pense que. Après, je pense que j'ai une équipe plus. Mais... Comment m'embêter. Le truc, c'est que le Draco que tu m'as donné là, il est en train d'évoluer là à la maison du papy. Je vais changer Roucarnage par. Ça passe. Et ça peut. Le dommage en Pokémon MMO, c'est que ça indique ce qui est super efficace du coup. Non, mais là c'est même pas marqué. Oui, enfin, si c'est marqué. C'est vrai que ça aide. Mais c'est pas dommage, c'est bien. Ouais, oui. Moi je la connais par cœur, tu fais chier. Ah, oui, donc en fait, sans cette aide, peut-être que tu nous battrais, t'arriverais à nous tomber. Ah, oui, non, mais c'est pour l'aventure en fait. La stratégie dans Pokémon elle commence que quand t'as fini le jeu, sauf pour les types justement. C'est amusant, Minouz. De se faire one shot partout. Ça me fait plaisir. Mais donc Binous, toi t'as traversé comme moi là l'eau et t'es allé jusqu'à... Ah non, moi j'ai juste fini mon 6ème match, j'ai déco hier donc... D'accord, je me suis pas retrouvé là, j'étais pas là. Oh, Draco, 6ème match. Donc je traverse tout. J'ai trouvé du zinc. Alors à quoi ça sert le zinc dans Pokémon? C'est pareil, parce que c'est pour les EV, ça augmente 10 les stats. D'accord. Ouf. 5 tas de morts, rien que ça. C'est un truc de fou mon Dracolos, mec. Il bah sprint. Ah bah c'est fini alors. Il m'a super fini. Ça passe les 15 maintenant. Ouais, je sais pas si je me garde le multi XP sur Roucarnage vu que je compte le sortir après quand j'aurai Dracolos. Ou les gros dégâts. Ouais, Dracolos là je peux te dire, tu peux Binous peut témoigner. En fait ouais, je crois que je vais sortir le multi XP sur mon Roucarnage. En fait tu vois, mon Dracolos il a XP tellement que normalement il va prendre 2-3 niveaux quand je vais finir l'arène. Ouais, mon Roucarnage il est niveau 48 quand même, faut pas l'embêter. Allez merci, c'est cool. C'était cool, ouais, merci. Si j'avais eu le temps de me placer, ça aurait été différemment. On va sortir le multi XP. Certainement ouais. Si t'avais eu le temps de te placer 10 minutes avant, ouais. Ouais, en vrai non, t'aurais attaqué avant moi dans tous les cas. Et Dracolos, tu vois là, il fait du bien au ma team. Sur qui? Sur Tortank. Bon, tu sens qu'on approche de la fin quand même. Enfin, de la fin de l'histoire normale, on se calme. Ouais, après, t'as la ligue. La ligue, ça peut être long en vrai. Et après la ligue, il y a les légendaires. Articodin, Lectar. Vous êtes super loin par rapport à moi. Ah, bah oui, ça. Bah oui, mais toi, t'as très peu joué en vrai. Donc, c'est vrai. Après, moi, au début, j'avais très peu joué et je suis bien roux. Oui. Ah mais parce que je t'ai acheté au taquet de Pokémon. Salut. Moi j'ai juste demandé 3000. J'ai gratté 3000 simplement. Voilà, j'ai mis le multi XP sur Tortank aussi pour avoir un... Ah mais du coup oui, je peux pas spoil mais la dernière arène je sais par qui elle est gérée du coup. Le professeur Shen. Non. T'es pas déconné. Ah putain, j'ai failli spoil alors que Geek s'est j'étais jamais allé aussi loin, même quand j'avais 8 ans que je jouais sur ma petite Game Boy à ce jeu, j'étais allé jusque là où je suis quoi, j'avais jamais fait la 7ème arène.
Donc ouais. C'est... Franchement, tu vas être surpris de qui là-dessus. Ah, j'ai trouvé. De qui? Ben, c'est Bello, enfin, notre rival. Non, oui, pas. Absolument pas. Ah voilà. Ouais, alors je vois pas du tout. Attends, regarde, il verra. Sacha? Non, toujours pas. Il nous a donné un truc très précieux. Voilà, c'est tout ce que je dis. Il nous a donné un truc très précieux. Alors attendez, on va trouver. C'est une énigme, c'est le père Fouras qui l'a fait. Ah, tu veux le savoir maintenant, du coup, tu sais. Bah oui, maintenant, attends. Si, attends, il n'y a pas 50 de trucs très précieux. Le professeur Chen, le Pokédex. Je vois pas ce qu'on nous a donné de très précieux après. Un truc très précieux, genre vraiment. T'as juste à regarder dans ton sac à la limite. Mais la Master Ball là? Mais c'est. Ah, je sais même pas qui c'est lui. Oh bah c'est lui alors. Et tu sais que c'est. C'est qui nous a donné la Master Ball? Je sais pas. C'est un personnage connu? Oui. Tu le connais, ça c'est sûr. C'est pas Giovanni. La Team Rocket. Si? Si. Si, c'est Giovanni. Mais qu'est-ce qu'il fout le maître de la Team Rocket? Dans l'histoire, c'est logique en plus, je me souviens. D'ailleurs, Giovanni, dans l'animé, je sais pas si t'en es là encore, mais il a un Mewtwo. Ah oui. Ouais, dans le Destiny. Ah oui, c'est pour ça que tu disais qu'il y a sans doute Mewtwo. Ouais. Mais dans le jeu, ça, il a pas Mewtwo puisqu'il est à Azuria. Donc, oui. Mais dans l'animé, on voit Sacha s'approcher et Mewtwo. D'accord. Souvent le chef de la Team Rocket, on le voit avec un persian. Ah, j'ai vu Détective Pikachu hier. Ah, tu l'as vu? Alors, qu'en penses-tu? En vrai, c'était pas si mal, en régime. Moi, est-ce qu'on peut spoiler en vidéo? Attention, alerte spoil, on prévient. Ah, mais t'es en vidéo. Oui, la fin où en fait c'est pas Pikachu qui est Pikachu, ça, ouais. C'est un truc qui m'a déçu un peu, moi. Ah ouais, moi aussi j'étais deck que ce soit son père depuis le début. Mais après d'ailleurs. Sinon le jeu, honnêtement le passage avec Monsieur Mime il est trop bien, oui. Je trouve. Hein. C'est vrai, trop drôle. Ouais, mais même le monde, enfin tu sens que l'univers tu peux faire plein de trucs dedans en fait. Ouais, ça donne trop envie honnêtement. Tu dis oh là là, mais avec ma copine c'est trop, bien d'y être dans ce monde. Ouais c'est ça, mais j'espère tellement qu'il va y avoir une série faite à partir de ça. Tu te dis il pourrait, honnêtement. Mais bon après ça représente peut-être beaucoup de sous d'investissement. Ouais mais bon c'est Pokémon donc oui, ça rapporte. Après. C'est vrai. Et puis même le film a été un bon succès de ce que j'ai vu, du coup j'ai vu des reviews après des gens et tout le monde disait que c'était un bon film, etc. Bah vraiment ouais il est cool, après c'est vrai que la fin m'a un peu déçu mais... Ouais ça, moi bon pas déçu mais j'étais deg pour le Pikachu. Ouais. Moi après, honnêtement je pensais qu'à la fin ça allait faire un truc, ça allait faire qu'il allait plus le comprendre. Ah ouais. Moi je pensais que ça allait être ça, que dû à un truc que Mewtwo lui avait fait envoyer ou je sais pas quoi. Il y en a qui sont bien faits en vrai. Toi, t'as pas du tout se les reconnaître parce qu'il y a des Pokémon jusqu'à la 5ème génération, j'ai vu. Ouais, c'est majoritairement quand même Ouais, mais en fait, ceux qui sont mis en avant, c'est la première G. Ouais. Bulbizarre, mais... Otake, Carapuce, on le voit. Salamèche, on voit les Amphinobites. Les Amphinobites, tu sais, ceux que j'avais pris sur Pixelmon. Ah, alors là. Celui avec la langue. Ah oui, si, j'avais fait Karmakoin aussi, je vois ce que c'est. ce Dracaufeu, il est trop bien fait sur le combat là, où le mec ouais. Il lui donne le. Ouais, il est flippant. Ouais, il est flippant, mais il est bien stylé. Magikarp aussi, ça m'avait fait rire ça. Attends, on voit Magikarp hein. Ouais, au moment que dans un aquarium qui est cassé, on voit Magikarp. Carp, ah, peut-être, oui. Ça m'avait fait rire. Mais sinon, ouais, j'ai bien aimé. Ouais, puis c'est bien fait quoi. Tu vois qu'ils ont mis les moyens pour avoir des. C'est pas moche quoi. Ouais, c'est vrai. Vraiment, en voyant le trailer, je m'attendais à pire. Bon, ouais, je savais pas trop. Plisson trouve lunette sage. Hein. Arène de Parwani. Mew et papa ou maman. Ah, c'est ça que hein. Le petit a été baptisé Mewtwo. Ah. Oui. D'ailleurs, tu l'as vu, toi, le film Mew contre Mewtwo, le premier, celui où Sacha meurt. Oui, où Sacha meurt et il revit grâce à une arme de Pokémon ou je sais pas quoi. Et en fait, j'ai appris hier que c'était pas non plus illogique. Enfin, c'est illogique dans le sens où c'est des larmes qui ressuscitent, ok, oui, mais c'est bon. Genre, c'est pas sorti de nulle part, en fait. Ah bon? Parce qu'en fait, avant de prendre le bateau, eh ben, y a une dame qui leur dit « Ouais, faites attention à l'ouragan, cette vieille légende, et les larmes peuvent ramener à la vie et tout. » Et là, tout s'explique. En fait, personne n'avait jamais vu ça, mais en fait, ça y est. Ah, oui. C'est choquant.
Mais Mewtwo dans le film Détective Pikachu, il est stylé, franchement. Il est, ouais. Vraiment, il est cool. Puis tu le vois méchant jusqu'à la fin, tu sais, tu te dis... Ah. Ouais, et en fait, non, il est gentil. Bah, comme dans le film, au final. Ouais. Sonar, level 38. Ouais, il faut que je trouve là où je dois aller. Mais moi, je sais pas, Yamatis ou pas, il est toujours là. Non. Parce que je sais pas s'il faut allumer toutes les trucs sur l'objectif où on fait ça pour aller à l'arène. Donc, ouais. Le truc c'est que je comprends pas grand chose à ce qu'il faut faire. Ouais, au moins ça va me permettre. C'est Croix Moisie là où vous êtes. Ouais, c'est ça. Attends quoi, à quel moment il y a un Articodème ici? T'as trouvé un Articodème? Non, je suis en train de voir la solution, c'est un endroit où il y a un Articodin. Ah ouais, mais là il y a des mecs qui donnent quand même 2000 de. Je vois de. Il faut force. Ils donnent 2000 de crédit, hein. Enfin de Poké Dollar. Ah ouais? Ce qui est pas mal. Articodin. Mais ça se trouve, on peut avoir Articodin, Lecteur et Sultura avant. Ça me choquerait. Mais... Ok, l'arrêt de métier poison. Je comprends. Et du coup, je te dois toujours psycho. Oui, c'est vrai que tu as pas retrouvé. Bah, pour l'instant, non, peut-être que je le croiserai sur la route. Après, vraiment, on gagne tellement de sous que je pourrais m'en racheter une attaque. Mais de toute façon, il me faut un Pokémon. Du genre, je pourrais la mettre sur mon Phantominus, par exemple. Ouais, Ectoplasma. Ouais. Que t'as un Mantali. Ouais, moi j'ai un Mant. Peut-être que je me prendrais un Mantali, enfin que je ferais évoluer mon Evoli en Mantali. Ah, peut-être que tu auras un Pokémon pas de la première génération. Ouais, ben en fait mon Evoli, je sais pas trop en quoi le transformer, parce que Pokémon O, j'ai déjà des Pokémon O de fou. Ouais. Électrique, je le monte Pikachu à fond, donc... Feu, t'as... Feu, ben j'ai Arcanin, qui ouais. Est level 47 pour l'instant, mais il va monter encore, donc... Si je me trompe d'attaque, il est... Donc ouais... Après j'ai pas de Pokémon plante mais ouais. Ça sera je pense dans la version noire et blanche. Enfin, est-ce que avec juste 6 Pokémon tu peux gagner la ligue à ton avis? Il faut quand même des trucs. Avec 6 Pokémon oui tu peux gagner la ligue évidemment. Ah ouais donc même si t'as pas genre un type plante tu peux gagner la ligue. Bah oui, de toute façon oui. Tu peux pas avoir tous les types dans ton équipe. Oui mais si tu peux revenir à chaque fois tu te dis bon là face à lui il me faut tel Pokémon et voilà. Ah ouais bah si ça tu peux le faire je crois, quand t'as battu un des membres du conseil 4 t'as pas à le rebattre. Donc, voilà mais donc c'est pour ça je dis donc mais ça s'ouvre pas. Mais tu sais pas quel type ils sont avant de les affronter. Enfin tu peux t'en douter avec le décor mais c'est tout. Ouais bon on verra, je n'y suis pas encore. Oui. Pour l'instant, tout reste à faire. Bon, pas tout non plus. Bon. Je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille pour aller à Cramoisi. T'as trouvé la truc surf? Moi, je l'ai surf. Il faut que t'ailles en dessous de Parmani, là, Parmo. Ah ouais, Parmani, il faut que j'aille vers le au sud. Ouais, tu vas vers le sud et... Ah oui, il y a un chemin qui va vers le sud. Et tu vas devoir... Et là, tu vas avoir au taquet de dresseurs qui rapportent pas beaucoup de sous, donc c'est très chiant. Mets-toi ton Pokémon électrique si tu en as un. Ouais. Ah ouais, je vais le mettre, je vais l'XP au passage. Et voilà. T'as quoi comme Pokémon électrique? Parce que t'as pas pris Pikachu au final. Hein. J'ai Pharaon. Ah oui, t'as un truc... La deuxième numéro. Si, Pharaon. Pharaon. Très connu. Ah, donc tu n'es plus très loin de moi, mais pourtant tu as des Pokémon très loin de mon level. Pourtant. Oui. C'est inquiétant. C'est inquiétant pour toi pour passer la prochaine arène, je pense. Ouais, à chaque fois je m'en sors par un miracle après l'avoir tenté une dizaine de fois. Ça va, juste 10 fois, Matisse il a essayé un nombre de fois. C'est vrai. Ok, je vais mettre mon Pokémon électrique en premier. J'ai l'impression qu'il faut... Est-ce qu'il faut mettre les statues en rouge? Mais elles sont toutes en rouge, je comprends pas. Hop, 40, tu vas passer en premier. 41. Je n'arrive pas à comprendre où il faut aller. Mon Dracaufeu, il est que niveau 36, il faut voir, je l'explique. Après, la prochaine arène, c'est feu en soi. Ah bon? Ah oui, celle où l'arène 7. Oui, bah la tienne aussi en fait. Oui, oui, bah oui, on a... ouais. Au pire, j'arrête d'XP mon Dracaufeu et je l'abandonne.
il me sert juste à utiliser vol. Parce qu'il est trop long. Mais t'as des Pokémon eau solide toi, ça dit non? Ouais, j'ai Draco. C'est un Pokémon eau. Ouais, tant qu'il est pas en Dracolos. Ah non, il est juste Draco. Mais il a des attaques donc dans tous les cas. Au pire, je peux prendre un petit Pokémon eau acheté pour l'arène. Bah, limite, je vais bientôt arriver avec mes 3 Pokémon eau quoi, parce que je vais sortir mon eau carnage et mettre Draco alors. Ouais. Ah ouais, mais il me faut un Pokémon vol, sinon c'est infect. Ouais. Ah, bon, moi, j'aurais bien pris Draco là. Sinon... Ah oui, ouais. Attends. Ah oui, toi, t'as Draco feu. Ouais, mais moi, j'ai. C'est l'avantage d'avoir Draco feu plutôt qu'un Arcanin. Ouais. Hippotrempe level 30. Ah. Je vais essayer de le calculer, de le capturer. Je l'ai pas eu. J'ai eu un vieux Tentacool que tu vas croiser 40 fois. Voilà, ah oui, putain, il faut pas des repousses. Ah, alors, on va appuyer sur le bouton sur celle-là. Avant de partir sur la route, je vais acheter la blinde d'or. Ça dure longtemps les repousses? C'est 200. Bah, ça dépend, il y a les repousses, les super repousses et les hyper repousses. Non, mince. J'aurais pas dû faire ça. Bon, j'aurais dû aller voir à droite avant de partir là, mais je savais pas que ça ferait ça et qu'on pourrait pas revenir. Oh là là. C'est un vrai labyrinthe le truc là, avant de pouvoir aller. Ah ouais. Ouais. Et alors toi avec tes Pokémon moyens tu vas galérer. Moi je vais prendre le chemin direct. Ah mais oui, toi tu utilises la solution. Ah solution. Ouais mais ça au final ça m'arrange pas quand d'utiliser ça. Bah clairement. Après tu gagnes ça du temps. Ça me permet juste de vous rattraper quoi. Voilà. Non mais sans déconner, j'ai besoin d'avoir coupe pour aller à la boutique. Ah bon? Au moins que je puisse faire un gros détour. Non, tu peux faire des détours, je pense. Ah ouais. Le truc trop chiant. Non, coupe vraiment, ça sert plus à rien après. Alors, pour le chemin de la ligue, je suis pas sûr que. Enfin, non, normalement ça va être ce fort. Ce serait ignoble si je dois me remettre Nidoking. Ça y est plus. Dans les derniers jeux, il n'y a plus les CS obligatoires. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien de pas. Bon, après, c'est. Mais bon, dans Pokémon, on en aura besoin. Les 5 premières générations, c'est les CS. Ah oui, ah mince. Dans la version rouge et noir aussi, mince. Ouais, enfin, nos blancs et noirs. Oui. Rouge et noir, c'est Toulon. C'est Toulouse. Le mec, il dit n'importe quoi. Toulon. C'est Toulon. Il a osé dire rouge et noir, c'est Toulon. Non, Toulouse, c'est noir et rouge. Non, Toulouse on dit toujours pour les rouges et noirs. Ouais, j'ai dit les rouges et noirs pour tout le monde. Non, j'ai acheté des hyper potions, c'est pas ça que je voulais. C'était des. Bon, au moins, ça prendre une attaque de zone, je dois avoir Pikachu, il doit avoir des attaques de zone. Rappel. Oh, il y a des max repousses. Non, destruction. Non, mais c'est des enfoirés. Ah oui, ça j'aime. Non, mais c'est sûr. C'est n'importe quoi. Attends, il s'est tué juste lui. Attends, j'ai pas compris, c'est juste lui et tué lui. Parce que je changeais Pikachu. Ah non, il m'a pas tué. En fait, ça m'a pas one-shot Pikachu quand même. Ouais, ça one-shot pas forcément. Ça a juste 250 de dégâts. Ah, c'est une amende. Mais bon, c'est le type normal, le pire type du jeu, donc. Ah ouais, mais Pikachu, il se fait attaquer par tous les Smogos en même temps, parce que c'est là où il y avait 5 Smogos d'un coup. Tonnerre, ça... Ah non, ça attaque pas tout le monde, ça. Je suis dégueu, coup de jus peut-être. Oui, coup de jus, ça envoie des dégâts à tout le monde. Est-ce que ça va aller one shot? Ouais, ça a l'air de les one shot tous. Un coup, il glace. En plus, on est niveau 37 sauvage. À mon level. Plus haut level que mon Draco Feu. Pour les Pokémon sauvages sont plus haut level que ton starter, tu sais que t'as un problème. Ah oula, c'est que tu es. Attends, je suis arrivé jusqu'à un truc, mais. Au final, moi je passe au talent, pas à l'XP ouais, sur les arènes. C'est ça. Oui, mais bon, est-ce qu'à un moment le talent ne suffira plus? Oui, c'est un peu comme là si je passais le brevet, les petites épreuves et que je vais arriver au bac. Tels les arrières de l'équipe de France, leur talent ne suffit plus. Avec des avants, moisi, voilà, c'est pareil. Oui, c'est l'équipe de France, mon équipe et ma stratégie. Ouais. Je suis le Brunel des Pokémon. Voilà, tu es Jacques Brunel. Tu es Jacques Brunel des Pokémon. Je fais la stratégie de Jacques Brunel. Après Matisse et Sacha, tu es Jacques Brunel.
Moi j'ai un côté Eddie Jones, Rob Baxter, voilà. Ah, on se prépare. Je suis allé au bout, mais est-ce qu'on est bloqué? Mais la porte est toujours fermée, what? C'est un peu le Joe Smith du rugby. Du Pokémon. Mais là, du coup, t'es en vidéo ou elle va durer? Oui, oui, mais je pense que. On va essayer de débloquer le truc et je pense que je ferai une autre vidéo sur, ouais, voilà. Sur l'arène parce que là, c'est vrai que. Mais en vrai, c'est trop galère. Hein. Ah non, il faut que j'utilise mes ronds, plus des manas. Faire les garder. En fait, je comprends pas pourquoi. Ça, le truc, c'est que ça dit l'arène est fermée, mais on ne sait pas pourquoi, tu vois. Genre, dans l'autre, tu voyais la Team Rocket qui bloquait, donc tu te disais, bon, ok. Pas que la Team Rocket, mais là. Je sais pas, ils vont fouiller autour. Hein. Ou tu regardes la Solus. Ah là. Non, je pense pas que ce soit si compliqué que ça. Non. Ah, le one shot pas, ratatac. J'aurais dû aller, mais je suis bloqué. Oui. Tu lis le dialogue, toi, ou tu spam? Je les lis aussi. Bon, après, il n'y a pas 50 dialogues, hein. On n'est pas dans. Ouais, les dialogues importants. Il y a des MMO. Après, que je lise tous les messages de. Non, mais. Non, évidemment, mais les dialogues Giovanni, etc. Voilà. Qu'on parle. Ça, je vais suivre l'histoire. Allez, on va retenter d'appuyer sur le bouton secret. Ah, mais 50 000 Pokémon, elle, hein, là. Goopix. 27. T'es toujours dans l'eau, là, avancé vers l'île. Ouais. Putain, impossible, il est au 27. Non, mon poison pass, s'il te plaît. Oui. C'est quel match qui avait bugué avec Binouze? C'est quel match qui avait bugué? C'était le match qui a duré 40 minutes. C'est France et USA, je crois. Ah oui, c'est pas... ah oui, c'est ça, ouais. Parce que je suis en train de regarder truc Japon, mais non, c'est pas ça. Non. Je regardais le mauvais match. Le mec, il regarde les vidéos pour que ça bug. Mais non, ça va. J'aime les bugs. Après, c'est tu pas, c'est pas vrai. Parce qu'on va typhon. Déverrouiller l'arène. Problème qui avance. Imaginez, il y a un typhon pendant la finale de la Coupe du Monde. Il repousse le match. Ouais. Ouais. La météo, elle est capable de voir à 5 heures à l'avance ce qui va se passer. Donc. C'est vrai. Alors, attends. On va voir ça. On va pas. Attends. Déjà, il y a un truc avec. Re, monsieur. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai trouvé du fer. Très bien. Ça va beaucoup me servir. Ratatac. Toujours en vidéo? Toujours. Je veux quand même déverrouiller l'arène avant de finir la vidéo, mais à force, je n'y crois plus. Donc, en attendant, T-Rex, parle-nous de Charles Olivon, ce grand joueur, ce 3... C'est quoi son poste de prédilection d'ailleurs? Deuxième ligne. Ouais, il a commencé en deuxième. Non, ouais. Troisième ligne centre. Ah bah il jouait troisième ligne centre. Oui, mais quand il était en espoir. Ouais, ils ont bien fait de le mettre en troisième ligne. Non, mais Bayonne il a fait ses débuts en deuxième ligne, après il a joué en troisième ligne. Mais j'ai utilisé une super repousse pour faire un Pokémon sauvage. Au moins ça aurait été un deuxième ligne mobile. Mais c'est tout ce qu'il aurait eu. Ça, ouais, parce que Itoje il est autant mobile, mais à côté de ça, voilà. Itoje c'est un athlète aussi. Bon, Itoje c'est un monstre. C'est... Oui. Je le classerais dans le top 2 des meilleurs joueurs du monde avec Rieko Yohane. Ouais, pour moi Itoje c'est vraiment. En tout cas, c'est le meilleur joueur anglais. De ce c'est club. Le meilleur avant du monde. Ouais, je ça, crois. Il est poussouffle. Et là, il sera pas là demain face aux USA. Ouais, bon. Ça devrait passer. Ça devrait passer. Mais si, honnêtement, si l'Angleterre galère à battre les États-Unis, ça va faire peur à la France. Oui. Donc, mais Noël, il doit revenir quand? Pour l'Argentine. Face à Los Pumas, il sera. Pumas. Tout comme Henry Slade et Mako Vinipola, c'est un peu moins sûr, mais normalement aussi. Mais ça veut dire que pour la France, il y aura tout ce qu'il faut. Oui, mais. On va kiffer. Moi, je pense pas que vous nous mettrez une branlée comme. Non, peut-être pas une. Après, attention quand même. Ouais. Attention. Ça, en 30 à 3, quoi. Bon, c'est l'Angleterre qui va gagner quand même. Non, bon. Tu vois, honnêtement, ce serait. Pour la confiance, ça serait terrible pour les. En fait, perdre le match avant le quart de finale, c'est tellement mauvais, en fait. Il vaut mieux pas. C'est qui va gagner, Geek? Quel match? Mais Angleterre-France. Ah bon, bah, Angleterre.
Tu penses qu'ils vont mettre la grosse équipe? Bah après, il n'y a pas vraiment de petite équipe. Hein. Oh oui. C'est vrai. Donc, c'est pas tellement fou. Du bien en équipe de France. Ouais. Après, je pense qu'ils vont mettre quand même plutôt leur équipe type, je pense. Oui. Pense. Ouais. Je pense. Parce qu'encore une fois, la première place, surtout si avant, et ça aurait été fait avant, t'as le Pays de Galles qui a battu l'Australie et qui a assuré de finir premier. Oui. La première place, voilà. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait au Liban face à... Ouais. Sûr. Bah parce que c'est sûr qu'ils se reverront pas après, hein, parce que bon... Oui. Peu de chance que les deux soient en finale. Même si j'aimerais bien, hein, mais... J'y crois. Bon, moi, et la France que... qui crée la... Plisson oui. Trouve PV+. Est-ce que tu sais à quoi ça sert, Binous, PV+. C'est de la merde. Ah. C'est pour mettre ça, plus en combat, de... En combat, tu peux le mettre et ça augmente tes PV, mais tu perds un tour et c'est pas fou. C'est pour avoir plus de PV dans la rue. C'est pas vrai. En vrai, j'aime bien Olivon, mais... Sauf que comme toi, tu es en vélo. Parce que 3ème ligne anglais, il fait pas le poids. Enfin, il va mettre des culs à Billy Vinipola. Oh bah oui. Je comprends, j'ai tout visité là, j'ai rien... À chaque ballon. EZ. Il va mettre des crochets à Owen Farrell. Pourquoi lui, je ne sais pas. À la limite. À l'extrême limite. Je suis bloqué. Je vais devoir aller trouver la solution. Olivon mange Vinipola. Oui. Olivon mange Vinipola au petit déjeuner. Oui. Voilà. Bah, bah oui, logique. Hein. Bah oui. Oh, bah attends. Ah. On parle de Charles Oblivion quand même. Bah oui. Meilleur joueur du monde quand même. Alors, je cherche un truc où il est. Pierre-Louis Barassi mange. Il est meilleur que Vinipola sur FIFA, peut-être. Non, sur la vitesse. Ah, ça, c'est Bélo. Oui. Oui, je pense que. Voilà. Si, Billy Vinipola est pas très rapide. Hein. On peut dire Barassi mange Tulagi, par contre. Oh, bol. Ouais. Non. Là, ça va être un gros affrontement. Hein. Barassi contre Tulagi. Ouais, bah, Barassi, il a du talent, mais. Ouais. Il sait même pas ce qu'il fait là, honnêtement, je pense. Mais oui. C'est quoi ça? Moi, je voulais pas y aller, moi. Ici, Lyon, on était premier, on était très bien. Grave. T'es bien avec mon équipe? En vrai, ils auraient dû prendre Bello. Oui. Bah, en vrai, si. Oui, je sais pas, il a fait la préparation physique et ils font n'importe quoi. Bah, moi, normalement, honnêtement, t'aurais dû prendre la logique, aurait voulu que ce soit Bello. Oui, mais non. Moi, j'ai pas envie, moi. Après, de toute façon, est-ce qu'il va beaucoup jouer Barassi? Non. S'il faut, il va jouer comme match. Mais non, il utilise Destruction. Là. Il va jouer contre l'America. C'est arrivé sur une île. Je pense qu'il va faire oui, mais une île où il y a une grotte. Oui. Ouais, à gauche. Il faut aller dans la grotte. Et qu'est-ce qu'il vous dit qu'il ne fera pas un énorme match? Mais qui? Barassi. Mais qu'est-ce qu'il te dit qu'il va jouer, déjà? C'est vrai. À quel moment tu veux qu'il soit mis titulaire? Il va pas jouer. Le pauvre, il est venu. D'accord, il y a Articodin dans la grotte, apparemment. Mais non. Ah ouais? Mais si. Oui, une fois, je le vois sur l'image, en allant sous stall, vous trouverez Articodin. Si vous pouvez le capturer, capturez-le, sinon retournez à l'échelle G. C'est qui déjà Articodin? C'est un oiseau de glace légendaire. Ah oui. Mais c'est un des trois oiseaux qui régule le temps dans la mythologie. Oui, j'aurais. Il est cube. Allez, c'est... Attends, mais je veux l'avoir moi, Articodin. Excuse-moi, Master Ball. Ouais, et Mewtwo à cause de ça, là, tu l'auras pas. Attends, je vais voir le taux de capture de Articodin et Mewtwo, voir si c'est le même ou pas. Articodin. Attends, je vais utiliser un repousse là, parce que là, ça suffit. Alors, comment ça marche? Normalement, on a affronté tous les dresseurs. Sac. Objet. C'est où les repousses hein? Mewtwo, bon, il a un taux de capteur de 5 hein. Non, de 3. C'est dans quoi les repousses hein? Pas des CP. Sac objet, améliorateur, CD douteux, pierre plante, pierre lune. C'est dans les trucs. Ah, c'est 3, c'est bon, je peux pas utiliser. Super, repousse et repousse. Hein. On repousse à 100 pas, 200 pas. Ok, on va utiliser celui-là. Attends, moi je veux clairement avoir Articodin. Attends, j'ai utilisé le repousse normalement. On va pas m'engueuler pendant un petit moment, allez go. Il n'aime pas Lyon 2. Non.
Je préfère encore Toulouse et pourtant j'aime pas trop Toulouse. Tu préfères vraiment Lyon Toulouse. Oui. Mais il aime pas Lyon parce que il vous prend tous les bons joueurs. Toulonnais. Tel Toulon vole. Agen. Ouais, enfin ouais. Ils volent un peu partout Toulon. ils sont pas racistes, ils volent un peu partout. Hein. Ça va. En vrai, toutes les grosses équipes. Waouh, l'effet du repousse, mais ça dure 2 secondes. Ah, le repousse, oui, il faut prendre des super ou des max. Ouais. Bah, après, Geek, bon, après, j'en avais vite, donc là. Après, toutes les équipes piochent un peu dans les petites équipes. Oui. Financièrement. Oui. Non, mais c'est vrai. Mais le truc, je comprends pas s'il y a que ça. Nous, on est à l'US Carcassonne. Oh, en fait, t'es articodé un lecteur suffisant, on peut déjà les capturer en fait. Ils sont tous capturables. Alors, lequel je choisis moi? En vrai, Sulfura, non, parce que j'ai déjà un type feu. Électeur, non, j'ai déjà le type électrique. Le type glace, ça me semble bien. En vrai, pour la ligue, sachant que le maître final de la ligue, c'est un dragon en plus. Ah, j'ai trouvé un truc où là, j'étais c'est... jamais allé. En vrai, ouais. Elle pas bloqué, mais la vidéo va durer des points. Ouais. Tu sais pourquoi on va gagner le top 14? Non. C'est quoi Thomas Waro? Ah oui, c'est vrai. Le joueur de foot qui vient du Havre et qui est passé par le PSG? Oui, c'est lui. D'accord, là il est pas mal. C'est un réunionnais. Il est pas mauvais, il a un bon jeu au pied. Oui, voilà. Mais bon, après. Bon, faire la vie. J'aimerais finir ce donjon. Va-t-on y arriver un jour? Après, Waro, c'est quand même le meilleur troisième français. Quoi. Après, il me faut pas la série. Ouais, mais derrière Olivon quand même. Derrière? Olivon. Ah oui. Un Ponita. Allez, Lim. Je vais pas avoir besoin de la CS Force par hasard? Non. Non, moi je l'ai pas utilisé. Nous on a Boxis. Hein. Ah, peut-être que pour Articodin je vais en avoir besoin et du coup je pourrais pas le Articodin. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce livre? Rapport. Mewtwo est trop puissant. Nous sommes impuissants face à ses pièges. Oh là là, les mauvais. Ah, il y avait une statue là. Nous en parle du plus puissant Pokémon Mewtwo. Ouais, mais attends, j'ai Pikachu. Malgré 8 générations, okay. Il reste le meilleur. Enfin, si on compte pas Arceus. Ouais, on continue à utiliser le repousse. Qu'est-ce qu'on trouve? Guérison. Qui est pas très utile, à mon avis, selon toi. On aurait peut-être dû prendre la guérison, ça c'est utile, par contre. Guérison, c'est une tu sais, potion, super potion, hyper potion, potion max et guérison, c'est le meilleur. Ça D'accord. soigne tous les PV et même si t'es paralysé, ça te soigne au passage. Ah. Mais bon, comme moi je n'ai pas besoin, je pars du principe que c'est de la triche et que je n'utiliserai pas pour finir le jeu. Ouais, alors pour la ligue, ça Après, va être compliqué ça. À voir si la ligue est vraiment supra dure. Mais à la ligue, c'est des tournois, on est d'accord. Donc normalement ils n'utilisent pas de potion. Ah non, la ligue, c'est pas comme l'animé en fait. La ligue, là, il va avoir le conseil 4 et le maître, en fait. Il va avoir 4 dresseurs surpuissants qui sont bien plus forts que les champions d'arène. Plus quand tu les auras battus les 4, le maître de la ligue. Ouais. Mais je sais qu'ils auraient dû prendre pour quoi. Ça, encore une fois, tu aurais vu si t'avais vu Pokémon Génération. Ouais. Théo Belan, oui. Ça, il aurait dû le prendre. Ah, de la pépite française. Polonaise, en plus. Il est pas jeune. Oui, il a joué tout. Oh, il a gardé un petit PV. Lumino canon, c'est super efficace. What? On a fait tellement de dégâts. Je suis surpris. On va avoir force pour aller à capturer Articodin. Cesse force. Ah, tu l'as pas. Bah après tu pourras y retourner là-bas. Oui. Moi j'aurais bien eu pour l'arène. Arcanem monte au niveau 48. Théo Brelan. C'est quoi ton Pokémon le plus haut level? C'est Draco 45. Ah, ouais, okay. Ça va en vrai, mais après il y a un trou. Il y a Mentali 43, Farand 39, Majaspic 39, Absol 41 et Dracofeu 36. Ça pique après. Oui, je pense que tu vas avoir du mal. Je vais m'en sortir comme à chaque fois. Allez hop, on avance petit à petit. Je pense qu'on arrive à la fin du donjon, pas loin. C'est quoi cette Pokéball? Ça donne. Trouve clé secrète. Ah, c'est peut-être bon pour. Peut-être. Et ça. Trouve CT22. Je crois qu'on a tout visité du. Vas-y, on va arrêter le repousse.
On va tomber sur des Pokémon maintenant. On utilise ça. On s'en va. Oh mais d'accord, il faut que je retourne à la ville, mais je vais le faire d'ailleurs. Parce que moi je veux Articode. Tu préfères pas voir Mewtwo ? Non mais Mewtwo je l'aurais avec des hyperboles. C'est pire. Cela oui. Je ne peux plus passer. Et puis Mewtwo il est qu'après la ligue, alors avoir un Articode pour la ligue, c'est utile. Ah oui c'est vrai. Oui. Après Pokémon Glace, tu peux prendre Locklass, tu le fais évoluer à fond, mais voilà. Ouais, bah Articode, c'est un légendaire, les stats de légendaire, c'est pas négligeable. Parfois. Et Rinky est négligeable avec toi, Binoz. Un Pokémon à niveau 50 aussi, ça peut le faire. Oui, mais oui. Oui, ah oui, en plus, c'est vrai que t'as autant de badges que moi, donc tu peux aller jusqu'au level 50. Mais je suis bloqué là. Bah, surtout que c'est un Pokémon à toi, normalement, c'est pas influencé par. Il faut que j'aille faire. Et j'ai trouvé comment faire. Un Smogo, attends j'en ai des Smogo. J'en ai capturé un, je crois pas. En plus je passais comme ça mais. Je crois pas avoir de Smogo. Attends. Verification, on a le Toadmorph, le Métamorph. Oudu. Si je trouve pas Smogo. Matiste, Ed et Thorny. Ah. Il a ragé. Il fait comme toi. Hein. Ah, mais je le trouve pas ce Smogo dans ma liste là. Non, il est dans la première, dans les 150. Ah si, là. Ah, je l'ai jamais capturé donc il faut pas que je le one shot. Vous voyez, Bullrock, ça va peut-être pas le one shot, je sais pas. Pourquoi pas bon. Ah, mais si, ça l'a tué. Mince. Oups. Hop, je parle à ce vieux. Quelle horreur, tiens. Yes, j'ai force. Alors, hop, c'était. Allez, énorme. Smogo. Oh, mais je vais la prendre à qui, force ? Pour le Dracaufeu, il me sert plus à rien de gagner. Ah ouais, ton Dracaufeu, maintenant, tu le snob. Ouais. Le pauvre. Hein. Il va me servir de CS Slave. C'est dur, Dracaufeu, utiliser Dracaufeu pour ça. Ah oui, c'est vrai, c'est pas gentil. Ouais. On va prendre Pikachu et faire une attaque souplesse, Pikachu. Ça va pas faire trop de dégâts. Fait extrêmement mal le Pikachu. Non, c'était pas trop mal fait. Je vais pas le faire avec ma voix. Hein. Bien trop viril. Ouais. Trop viril, je pas jusque là. Mais... Ah c'est pas mal, ouais. Ça lui fait pas trop de... Non, pas destruction Smogo, mais t'es un abruti. Ah oui. C'est quoi destruction ? Bah il se suicide. Hein. Voilà, c'est. Oh là là. Des Pokémon. Ce tocard de Smogo aussi là. Pomme de pique aussi. Explosion. Aïe aïe aïe. Toadmorph. On s'en tamponne du Toadmorph. Ouais. Petit séisme. Je veux voir si on a ouvert l'arène avec la clé, je l'espère. Ah oui. Parce que là, sinon je n'y crois plus et je vais devoir aller tricher et aller chercher la solution. J'ai trouvé une super potion. Mais il y a des Pokémon partout, c'est un truc de fou, t'es arrêté tous les 1 mètre. Oui, mais prends des repousses. Oui, mais après là je peux avoir Smogo aussi, suicide pas. Là, donc. Ouais, bah, j'en ai utilisé au taquet des repousses. Tu vas aller sur Ruby Challenge. 4 ? Ou pas. Ouais, évidemment, je l'ai eu en exclusivité. Ah, pas mal. Ah ouais, pas mal. Ouais. Là, tu vas faire des jaloux, je crois. Ouais, je pense. J'ai bien aimé le rien, en fait. T'as vu, il y a quelqu'un qui a sur le chat vocal. Ah, si t'es sur le channel 2, il y a quelqu'un qui dit « Wesh, les gens, vous savez pas où il y a des shiny ?» Est-ce que tu le sais ? Je suis sur le 2, moi. Eh ben oui, mais si tu regardes, il y a quelqu'un qui a demandé ça. Arbed, moi je vois. Mais personne lui a répondu. Le pauvre. En même temps. Tu lui réponds, mais cherche. Moi je le vois pas le message en même temps. Ou tu le trolls, tu lui dis là-bas. Mais non, mais c'est un mec à côté de toi et comme un con, il a écrit que dans la zone autour de toi. Ah, peut-être. Moi je le vois pas. Et oui, et voilà pourquoi personne lui répond. Il faut marquer global avant, au lieu de normal. Ah oui, je suis dans le local. Allez, Pokéball, c'est parti pour un Smogo terrible, level 30, qui va entrer évidemment de suite dans notre compo. Bien évidemment.
tu veux un Smogo, sérieux? Mais en fait, je veux avoir les 150, donc ah. Faut y aller petit à petit, l'oiseau fait son nid. Non. Et, voilà. Et t'en es à combien là? Je dois en avoir bien plus de 60. En comptant ceux qui ont évolué en, tu sais, en 3 évolutions, etc. Ouais. Je pense que ouais, je suis. Bon, tu veux compléter le Pokédex? Ouais, je pense que je peux bientôt les avoir. Oh, ça y est, j'ai passé les 100 000 Pokédollars. Je suis un homme riche sur Pokémon. Dommage, pas dans le reste, mais. J'ai pas mal. Allez, tiens, on va faire 3 quarts d'heure de vidéo pour. Pour débloquer enfin le truc. Pour avoir un Smogo. Oui, on aura capturé Smogo pendant cette vidéo. Ce n'est pas rien, c'est un Smogo. C'est le Pokémon de James, de mémoire. C'est qui James? Je sais même pas ce que c'est. Ah ouais, bah t'es jeune. Qui hein. C'est... c'est la Team Rocket. Hein. Oh. Ah oui, je vois qui c'est. C'est le Pokémon de la Team Rocket. Celui qui part toujours au ciel, là, ça fait une étoile. Bien. Oh. Tu connais les références? Oui. Ouais, pareil. Ah, mais le nombre de Pokémon! T'es arrêté tous les 3 mètres, oh là là. Moi, je me connais bien un peu. Bah, ça va, tu t'y connais. Bah, après, tu t'y connais aussi bien que la rugby, objectivement. Leur Pokémon phare, c'est Smiaous. Oui. Lui. Attends, je me connais tellement. Comme Sacha. Comme Sacha. Comme Sacha, c'est Pikachu. Comme Sacha, c'est Pikachu. Ouais, tu verras. C'est dur à dire, hein. C'est vrai, t'es pas simple. C'est fatigué aussi, hein. Alors, ça va. Est-ce qu'on interdit l'entrée? Non, ça y est, on pourra entrer. Mais ça, et ça, ça sera dans une prochaine dans une vidéo. Prochaine vidéo, parce que là, on a mis une heure à débloquer ça. Et plus. Pour ça, il faut 500 likes. Bah, carrément, sur une vidéo Pokémon, bon courage. Hein. Mettez un like et vous aurez votre vidéo Pokémon. Ah, pas choquant sur une vidéo Pokémon, mais une vidéo Pokémon, c'est la chaîne. Allez. Des habitués de rugby. On va dire 50 likes. Au bout de 50 likes, on se voit. Ouais.